Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de League of Legends. Alors, petite vidéo spéciale aujourd'hui. Je vais faire une petite vidéo pour Dominion, parce que j'en ai pas encore fait et j'en ai pas encore joué non plus. Hein. Donc ça sera ma première game Dominion que je vais faire avec vous. Donc je suis sur le serveur américain, donc c'est pour ça que j'ai des pings de merde et que probablement mes alliés sont aussi des émigrés du serveur EU. Vu que apparemment ils ont pas flash ou des trucs de haut niveau quoi, moi non plus. Je suis que niveau 3 donc voilà. Et puis en plus ils ont pris que des persos qui sont gratos. Sauf Poppy je crois qui n'est pas gratos, enfin, bref. Voilà donc je vais faire cette vidéo là pour... bah, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'autres vidéos. Enfin que j'ai pas fait de vidéo tout court. Donc je vais faire cette vidéo là pour... bah, pour en attendant d'autres vidéos quoi. Comme ça au moins ça sera une vidéo. Donc voilà, donc c'est du Dominion, je connais bien évidemment Dominion, même si j'ai jamais joué. J'ai vu plein de vidéos, ça fait longtemps que je l'attends. C'est probablement ma raison numéro 1 pour que je reste sur League of Legends, parce que sinon j'aurais déserté depuis longtemps probablement. Donc voilà, ça fait plaisir de voir tout ça, même si bon, voilà, il y a pas beaucoup de joueurs qui ont déjà vu ça. Alors, on va regarder un peu le ping m'a l'air plutôt pas mal, maintenant je rame un petit peu à cause de Fraps encore une fois. Et donc voilà, donc on démarre avec 1300 gold, hein, donc ça je le savais, et on peut acheter directement des items. Donc voilà, donc après il y a même un tutoriel, hein. D'ailleurs il y a un mec tout à l'heure qui a dit « comment on joue à Dominion ?» C'est pas comme si Dominion c'était le mode de jeu, un nouveau mode de jeu, c'est absolument pas nouveau, c'est vieux comme le monde, le premier jeu qui a fait, enfin le premier jeu que je connais qui a incrusté ce système là de capture de points, le nombre de tickets et tout. Le nombre d'étiquettes carrément. Enfin, le premier jeu qui a fait ce truc là pour moi c'est. Ah, bah oui, c'est bon, on peut choisir plusieurs trucs. Bon, bon j'ai un check. Hop. C'est. Bon, alors il y en a peut-être eu un avant, mais pour le premier pour moi c'est Unreal Tournament. Unreal Tournament, il y a des points à capturer. Dès qu'on les capture, l'ennemi perd des points. Et quand on les capture pas, nous on perd des points. Enfin, bref, c'est vieux comme je ne sais pas quand. Le système le plus connu à ce jour-là, qui possède exactement ce même système-là, c'est Battlefield, avec des tickets aussi, exactement de la même manière. Chaque fois qu'on capture un point, l'autre, l'équipe ennemie perd des tickets de plus en plus vite, ça dépend du nombre de points qu'on a et tout. Enfin bref, c'est un mode qui n'est absolument pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est de l'intégrer à un MMORPG, un MOBA. C'est vraiment ça le truc nouveau. C'est juste ça finalement le truc nouveau. Sinon, le système en lui-même est très... très basique et très vieux, j'ai envie de dire. Je vais juste baisser peut-être le son. Voilà. Hop. Voilà, donc il faut faire clic droit apparemment. Voilà, donc là je capture. Donc ça réapparaît au milieu en fait. Et donc apparemment faut capturer comme ça. Donc voilà, donc il y aura déjà des combats. Moi je. Ah merde, ça m'a interrompu. Merde, je me suis trompé de touche, dis donc. Ah, on prend de l'XP tout seul apparemment. C'est vrai, puisqu'il y a très peu de héros ou voilà quoi. Aïe! Non, je vais déjà mourir, tiens. Voilà, donc là, c'est un peu chiant parce que j'ai avoir du mal. Oh, nice! Merde, ouf! Voilà, donc là, je vais aller me soigner parce que j'ai perdu beaucoup de vie. Alors, donc, increase health by 200, cool. Donc on va attendre, voilà, puis on gagne l'argent très rapidement. Donc voilà, donc il y a déjà eu un kill je crois, ouais, il y a déjà eu un kill en quelques minutes de jeu. Donc alors apparemment voilà, il y a des sbires, ça j'avais pas vu énormément qu'il y avait des sbires, mais enfin apparemment il y en a. Donc ça c'est plutôt pas mal. Lui je vais me le faire probablement. T'es mort. Voilà. Bon ça lag un petit peu, mais bon c'est normal on va dire. Ce serait vraiment pas mal quand le Dominion sera vraiment sorti et qu'on pourra jouer vraiment tranquillement. Parce que là, bon, je suis sur serveur US, donc j'ai des petits... je lag un petit peu, mais voilà, quoi, c'est relativement jouable, on va dire. Donc là, on peut aller rusher peut-être le camp ennemi. Si j'arrive un peu... Si mon personnage arrive à lancer un peu sa lance. Hop, oh, putain. C'est vachement... C'est vrai que c'est vachement nerveux. Ça, de toute façon, c'était normal. Ouais, par contre... Voilà, allez, continue, tape-le. Oh putain, merde. Merde, il est pas mort. Oh là là! Oui! Je l'ai eu. Ah, non!
Bon, c'est pas grave, j'ai eu H, c'était bien. Putain. Concentration là, j'boum! Coup de truc dans sa gueule. Allez, moi je vais prendre ça. Putain, on gagne trop facilement de l'énergie quoi. Je vais partir sur un séculaire. Crystal Scars, aura, 10 amures, as. Ok, cool, génial. Allez, c'est parti, on rush. Putain, il y a déjà tout ça comme vie à Heimerdinger. Ceinture de géant, ouais, d'accord, tu m'étonnes. C'est pas vraiment l'item à rush avec les Heimerdinger, mais il est comme il veut, dis donc. Il a fait un rally. Oh là là, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Franchement, une fois que. Voilà, en plus là j'ai 30 FPS. Franchement, j'aime bien m'éclater sur un jeu avec 40 FPS. Bon, là c'est pas vraiment le cas puisque. Voilà, ça c'est à cause de Fraps. Hein. Bon, j'ai toujours pas réglé le problème. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Ouh, pourquoi ils m'ont attaqué là. Donc voilà, donc c'est un bug assez chelou quand même. Le bug des 35 FPS là. Mais bon, ça reste quand même jouable. 30 FPS, hein. C'est assez bon, voilà, c'est mieux. 60 FPS, c'est mieux quoi. C'est tout à fait normal. Donc tout à l'heure, j'avais utilisé mon skill promote sans faire exprès. Et apparemment, en fait, ça spawn une unité plus puissante en fait. Finalement, hop, petit coup de ça. On va l'attaquer. Voilà, petit con, va. Oh, je rigole. Allez, go. J'ai plus de mana. Bon, ça lag un petit peu quand même. Voilà, bon, allez, tant que j'ai rien à faire, pouf! Promote! Voilà, ça, en fait, ça promote le plus. Merde! Ça promote le plus près en fait, le champion le plus près. Bon, là je parle pas beaucoup parce que je suis concentré, parce que j'ai envie de jouer comme ça. Bon, apparemment on est en train de gagner, hein. Je pense qu'on est l'équipe violette, ouais, c'est ça, on est l'équipe violette, donc normal. Primary quest, capture the. Defend the windmill. Alors, bon, après les trucs on peut pas les connaître par cœur, donc voilà. Ah, ouais, il y a des logos sur la map, c'est plutôt pas mal. Donc, alors en haut c'est le windmill, ça je le savais. Là c'est la Syrie ou je sais pas quoi là. Enfin, non, c'est pas ça, c'est pas la Syrie. La Syrie, ça doit être ça. Ouais, il y a du bois partout. Bon, bref, il y a plusieurs trucs, donc là j'ai le jeu en anglais, donc c'est normal que ça me fasse des trucs comme ça. Je suis sûr que je me fais un Leramus là. Oh l'enfoiré, il a pris le bonus. Ah non, 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 il a pas pris le gros bonus là qui le rend très gros et tout. Hop, petit coup de capture. Toc. Merde, chou. Ah merde, j'ai été taunté. J'ai plus de mana. Attends, j'ai déjà 1700 de gold quoi. Et franchement, c'est ultra fun ce truc. Ah, j'ai plus de mana, fais chier. Allez, go. Vas-y, on capture. Let's go. Merde, gouré de touche. Non! Ouais, bah là je suis mort. Bon, alors apparemment le cooldown de vie de résurrection, là je sais pas comment il se passe, mais voilà quoi. Voilà, donc on va faire un séculaire. Hein. Même si bon, la partie elle va pas durer 30 minutes, je sais pas combien elle va durer de temps. Voilà, on est déjà quasiment à la moitié alors qu'on a fait 7 minutes de jeu. Oh my god, bon, c'est pas grave, c'est assez rapide quand, au moins comme jeu. Bon, on gagne le gold 3 par 3, enfin bref, hein, c'est assez excellent. Dans ce jeu là, il faut se build à fond off tank. Enfin voilà, faut pas se build full quelque chose parce que sinon. Parce qu'on tombe souvent en 1 contre 1, hein, par rapport en 5 contre 5 normal, on tombe souvent en 1 contre 1 ou voire en 1 contre 2 même, donc voilà, c'est beaucoup mieux d'avoir plus de vie. Donc voilà. Donc on va passer par là, je vais aller me choper le Xin là, qui a 3 points de vie. Bon là on a tous les points de contrôle, donc ça va plutôt pas mal. The enemy Nexus has. Ah d'accord, en fait on peut pas choper le truc parce que c'est que aux ennemis finalement. Ah, on a un Xingo qui bug un petit peu, non? The enemy has captured the Eternity. Donc là, j'ai un bonus de vitesse. Donc je peux aller en bas. Non, c'est un bonus de quoi d'ailleurs? Si, c'est ça. Vitesse. Allez, hop. Il est niveau combien? Putain, 10 et 11 ici. Bah, si je fais ça.
Merde, ouf, j'ai failli faire mon ulti, putain. Voilà, et puis on gagne des petits points à chaque fois qu'on supporte un allié et tout, apparemment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, hop. Petit coup de promote, histoire de... Et là, on va aller le rusher, le mec. Il est tout seul. Ah, il a utilisé le... Oh, culé. Voilà, c'est pour ça, en fait, il faut prendre des off-tank, parce que c'est largement plus rentable, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus puissant. Voilà, donc là, un petit problème... on a capturé quoi? Ah, c'est bon, on l'a capturé, donc c'est bien. Maintenant, qu'est-ce que je vais me faire, moi? Donc, séculaire, j'ai pris un prospecteur, ça, c'est pas... Ouais, ça, c'est excellent, ça. Je vais peut-être me faire un réduit cooldown encore. J'ai combien de réduit cooldown? 15, j'ai que les bottes. J'ai pas de runes, donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a des items, des nouveaux items? Tiens, ça, c'est quoi, ça? 40 habilité power, 300 health, des réduits sur cooldown, magic, tu t'arrêtes for 4 secondes. Unique passive, your magic damage, grande vision of your target for 4 secondes. Ah, ok, d'accord. Covers an area with still detecting mist, granting vision infinite person. 1 minute cooldown. Ça, c'est pas mal ça. Ça me donne de la vie, de la paix. Un peu ce qu'il me faut, quoi. Ah, triple kill de la part de Poppy. Bah écoute, Poppy. Perso OP, hein. Non, je déconne. Trinity, déjà. Oui, normal. Donc voilà. Allez, avance. Non, franchement, là, je lag. C'est vrai que là, le lag, il se fait ressentir. Alors. Putain, j'ai beaucoup de vie, là. Pourquoi j'ai beaucoup de vie? Je sais pas pourquoi. Ah oui, non, c'est parce que là, j'ai pris 3 items de vie, déjà. Donc, c'est assez énorme. Vas-y, Poppy, tu fonces dans le tas, je te fais mon ulti, et tout, et tout. Nice, nice. Ça, c'est du support, ça. Oh putain, ça lag trop. Et puis elle fait trop mal. Ouais, sérieux, ça lag trop, hein, je sais. Là, ça lag beaucoup trop, là. Parce que quand je clique, là, il y a un petit délai, ça, c'est chiant. Ah d'accord, il me rush moi, en fait. J'aime pas Xing Zhao, c'est un des héros les plus cheatés parce que il suffit qu'il ait une bonne visée d'attaque, il te fait ching 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 boom, ching 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 boom, ching 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 boom, tous les 3 coups là ou je sais pas combien, c'est vachement cheaté ce truc je trouve. Hein. Prospector Blade, plus 20 damage, 5 lasting, ah, ça c'est pas mal ça. Bon bah on va continuer ce item, hein. On est parti sur ça donc on va continuer hein, en tant qu'à faire. Après j'aime faire l'espèce de voile de la Banshee là, pour voir. Putain, trop mal, il fait trop mal. Je vais aller l'aider un petit peu. Voilà, 12 minutes de jeu, on a déjà un level 13. Franchement, c'est pas mal. Hein. Franchement, ça fait des petites parties rapides, assez rapides, qui permettent d'avoir une rapidité assez rapide, quoi. Ça permet de faire des bonnes parties rapides, quoi. C'est bien. Alors, où est-ce qu'il faut aller aider, là? Je sais pas, je vais aller en bas, je suppose. Bon, on va aller en bas, puis on va push un petit peu. Donc... Puis allez, tant qu'à faire, puisqu'on push. Allez, hop. Ah, what do you want, man? Je crois qu'on supporte un allié, on a le truc. Allez hop. Et regardez la vie qui m'enlève, sérieux. Putain, qu'est-ce qu'elle m'a fait là? D'accord, elle a le truc bonus booster là. Je sais pas ce que c'est, ça doit être ça. Bon, je sais pas, voilà quoi. Bon bref, toc, voilà, on va terminer l'item, et maintenant je peux me faire un autre item. Bon, moi ça m'a donné combien de cooldown? 10%, donc j'en suis à 25. Donc soit je continue dans cette lancée, soit je fais un gros item de malade. En AP, qu'est-ce qu'il y a de nouveau comme item? Pas grand-chose, hein. Il n'y a que le Prospector Ring, et l'item que je viens d'acheter finalement. Donc on va continuer sur cette lancée, quoi. Est-ce que le bac, il est... Non, c'est le bac, c'est ok. Bon allez c'est parti, on va essayer de choper le truc là, elle fait chier là. Moi je peux pas trop me faire du 1v1 là, je suis pas assez stuff quoi.
J'ai combien? 5-5-3. Et c'est déjà terminé. Putain, c'est rapide. Vachement rapide comme jeu. Vachement rapide et vachement bien aussi.